Hey, 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 cucu, mes petits culs, et bienvenue pour ce nouveau numéro, nouvel épisode de House Flipper, édition Garden Flipper. Pourquoi mon toit, il a du mal, là, il clignote un peu. Vous voyez, ouais, bref, je sais pas si ça se verra, mais... Bref, nous voici dans la maison. J'ai toujours pas, bien sûr, modifié le jardin, ça va venir, j'ai pas pu le faire de live ces derniers temps. Mais je vous rassure... The fiber is here, j'ai la fibre et j'ai déjà testé un live sur Twitch et un live YouTube et puis je refais le live YouTube après. Et ça marche nickel, Chrome, c'est juste le pied. Je plotte des vidéos en 30 secondes. C'est le pied. Allez, on va faire... Ah ben, je croyais qu'il restait plus qu'une seule mission, mais en fait, il y en a deux. On va faire la mission Jadwiga Wojciechowska. Des intrus dans le jardin. Mesdames et messieurs, j'écris par rapport à un sujet très important pour moi. Je suis une personne âgée et j'ai besoin de votre aide. Nous sommes partis avec mon mari pour 2 mois dans un sanatorium et pendant ce temps, notre jardin s'est transformé en un endroit de fête pour des gens très louches. Ils y ont fait de terribles dégâts. Partout, il y a des canettes et des bouteilles et ces horribles gribouillis sur les murs. De plus, tous nos rendements ont été mangés. C'est quoi les rendements? Ça doit être des plants de carottes et tout le bordel, je m'imagine. Je n'arrive même plus à regarder mon potager, seules les orties sont restées. Oh mon Dieu. Heureusement, ils n'ont pas détruit des parterres de fleurs. Je vous demanderai d'abord de ramasser les canettes de bière et de tondre la pelouse. Au-delà de cela, je souhaiterais que vous plantiez des arbres fruitiers. Cordialement, eh ben on est parti. Ah bah oui, c'est pas mal, dis donc, j'avoue. Nous voilà donc dans la fameuse petite maison de cette personne âgée. On atterrit directement derrière la clôture sans ouvrir la porte. Oh là là, je suis... Mais c'est bien, c'est que je suis coincée. C'est que déjà ça commence, je suis coincée. C'est... Voilà, je peux pas bouger. Voilà, c'est bon. Mon monsieur, il était coincé dans les fougères. On va vite fait comme ça. Enlever, parce que je pense qu'il faut aussi tendre la pelouse. Ben oui, ben bien sûr. Hein, ben voilà. Oh là là. Oh, on va faire le tour un peu des maisons. C'est des ordures, ça? Non, parce qu'en fait, si je passe tout de suite la tondeuse, je vais tondre les plantes avec moi. Je suis un peu comme ça, hein, dans la vie. Oh punaise, il y a de ces bouteilles. Hop. Hop. On va pas enlever le banc, hein, quand même. Ok, ça c'est fait. Est-ce qu'on peut rentrer dans la maison? Toujours pas. Cette déception. Bah, la maison elle est vide, madame. On le voit. Hein. Vous avez un escalier, mais vous n'avez pas de maison. Oh, on peut ouvrir. Voilà. Madame, madame. Ok. Ok, ok. Là il y a la partie jardin. Oh là là. Oh, c'est mignon tout plein, n'empêche. Enfin, sans les ordures, hein. Mais ouais, ils se sont éclatés, quoi, les mecs. Oh là là, oh là là. Mais c'est une décharge, le truc. Ils ont même abîmé... Oh, le retour du vieux canapé pourri. Oh, bah oui. Bah, c'est joli, tout ça. Moi, je trouve que c'est très joli. Et puis, donc, à mon avis, il va falloir se taper le jardin. Oh, ça va être une angoisse. Ça va être une angoisse, regardez-moi ça. Oh, et le petit potager, qu'il est tout cassé, il n'y a plus rien dedans, regardez. Quelques petits... Des petits orties, hein, c'est ce qu'ils ont dit, mais il n'y a plus rien, quoi, il faut tout planter. Ouais, ouais, j'enlève les orties à la vitesse du vent. Ouais, ouais, je sais, hein, vous y attendez pas, hein, je suis super ortigirl, moi, hein, attention, hein. Ok. Ah, ah, il y avait des déchets ici. Hop, on les enlève. Les orties à la force du vent. Vous. Oh, j'ai pas envie de tourner la pelouse, ça m'épuise. Bon, on va commencer avec ce qu'il y a devant. On va débarrasser ici aussi. Parce que je pense qu'il y a tout ça à faire. Punaise, on doit se taper tout le jardin, les enfants. Oh, ça va être l'enfer. Alors, ici, nous avons tondé la pelouse. Eh mais j'ai vu qu'ils avaient sorti, j'ai vu un live,
j'ai vu un live de développeurs de House Flipper. Et ils vont normalement. On a vu une tondeuse, une vraie tondeuse, pas une débroussailleuse. Donc je pense que ça va être une amélioration. Et la tondeuse, elle fait moins de bruit et elle tond mieux, quoi. Donc je vais peut-être la débloquer. Je sais pas s'il y a une mise à jour, j'ai pas fait attention. Mais ça devrait arriver incessamment sous peu. Ouais, c'est plus clean déjà. Ton de la pelouse 3%. Toujours le petit mot d'encouragement. Là, bah, c'est pas grave, moi je coupe tout, hein. Voilà. Vous vouliez des crop circles, non? Je pense que je vais vous passer quand même le tondage de pelouse un peu en accéléré parce que honnêtement ça va être long je pense. Donc ben voilà. Je vous ai dit un bon amusement et dites-toi que moi je l'ai fait en beaucoup plus long que ça et c'était une vraie galère. Allez, à tout à l'heure, hein! Petite pause débroussailleuse parce que là j'ai mal au crâne. Du coup, voilà, bon bah on est reparti. Le souci du détail, hop! Bon, c'est déjà beaucoup plus clean de ce côté. Je suis à 60% de la pelouse. Voilà, c'est long. C'est long, mais bon, on continue. Je suis la folle! Alors, c'est pas une tronçonneuse, mais si ça avait été, ça aurait été plus drôle. Mais bon, la folle, elle a des broussailleuses! Bon, je retourne à mes trucs, moi. Bon, est-ce qu'on n'est pas mieux comme ça?
Est-ce qu'on n'est pas mieux? On voit mieux les ordures, non? Elles ressortent mieux comme ça, c'est magnifique. Hop, allez, on enlève tout ça. Hop, ça laisse des traces dans les... Ah, quelle horreur, dans la pelouse. Bon, il n'y a pas eu de défi de bouteille ni de carton de pizza, mais si vous avez, vous sentez le courage, vous pouvez toujours le faire. Voilà. Pas de bouteille, parce que là, c'est trop, ni de canette, hein, mais... Bon, je sais que des fois, ici, il y a des gens qui sont un peu fous, hein, dans mes commentaires. Mais si le cœur vous en dit, les enfants, faites-vous plaisir. Tiens, il y a une petite... Ah, il y a tous les tags aussi à nettoyer après. Hop, 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 c'est pas fini, il y en a encore. Ah mais les mecs, je sais pas combien ils étaient, hein. Ils sont venus tous les soirs. Picoler un petit peu là. Ah, et puis il y a des trucs qui s'enlèvent tout seuls. Avec la belle empreinte dans la pelouse, moi j'apprécie beaucoup. C'est très poétique. Après, t'invites tes gens, les voisins au barbecue et tu fais, bah, vous avez fait quoi, votre jardin? Il y a plein de traces et tout. Ah, c'est pas nous, hein, non, il y a des clodos qui sont venus. C'est pas des clodos, mais... C'est des wesh. C'est des wesh du 9-3. Ils sont venus là et puis ils ont dit, bah, c'est pas mal ici. Alors, on va devoir enlever le canapé. Ah, bah, hein, je suis étonnée. Table de nuit et chaise, hein, j'imagine, chaise classique. Voilà. L'endroit est quand même un peu plus clean. Avant d'installer tout, je vais les nettoyer, je pense. Ben, ici, les saletés. Alors, c'est au petit jet d'eau? Non. Si, bon, c'est un peu compliqué, hein, nettoyer au jet d'eau. Ah, ça y est. Hein? C'est magique. Je vois même pas le jet. C'est tellement blanc et puis d'un seul coup, vous verrez plus la. Et voilà, c'est exactement ça. Vous voyez, vous avez vu tout blanc avec l'eau. Bah, il y en avait encore qui étaient coincés. Et d'un seul coup, ben, oh là là, ça s'est transformé. C'était tout propre. C'était beau. Ah, il y a encore des ordures là. Mein Gott, j'avais zappé. Excusez-moi. Excusez-moi, messieurs, dames. Je vais m'occuper tout de suite de votre mur, qui est plus facile à nettoyer, j'ai l'impression. Le petit jet d'eau. Ah bah d'accord, ok. Ouais. C'est magique! Magique, magique, magique. Tenez les fleurs! Prenez un peu d'eau. Oh, c'est beau les petites gouttelettes. Oh, les petites gouttelettes. Allez, on va nettoyer ici aussi. En même temps, ça donne de l'eau aux plantes. Ah bah! D'accord, tout est parti. Il n'y en avait pas ici. Il y en a sur le garage. Est-ce que c'est encore magique ou pas? Non, il faut regarder en l'air et ça disparaît. Regardez, hop! Ah bah non. Ah bah si. Ah. Hop là. Ouais, sans déconner, mon jet. Ah, je suis peut-être pas obligée de me coller en fait, parce que j'allais dire, j'ai pas l'impression qu'il fonctionne beaucoup, mais c'est parce qu'il faut que je me mette plus loin. Je vais mettre mon jet plus loin alors. Pas de souci. Vous savez, j'apprends, hein. Ah oui, c'est beaucoup plus facile comme ça. Bah oui, alors. Quoi ça sert d'avoir un gros jet si on ne le met pas au bon endroit? Hein? Je vous le demande, moi. Moi, j'ai envie d'arroser les plantes. Voilà. Je suis une gentille. Il y a de la lavande. Voilà. Moi, j'arrose les plantes. Alors, 96% de salissure. Hein. Il y a encore une salissure à faire. Il y a encore. Attendez. Il y a quoi là? Ah, il y a des orties. Attendez. Parce que je vois qu'il y a une plante. Là.
Faut que je sorte la débroussailleuse. Voilà, il n'y en a plus. Il reste des touffes d'herbe. Non, je suis toujours sur des plantes. Là. Faut que j'enlève quoi? Celui-là. La truc rose là. Bah ouais, mais moi je vais décapiter les autres, hein. Ouais, voilà, je coupe tout, hein. Bah ouais, hein, c'est un peu compliqué là. Je sais pas. Il va y avoir de la fougère à... Attendez, là. Ok. Là-bas, derrière, il y a de la fougère aussi. Ok. Pas de la fougère, c'est de l'herbe, pardon, excusez-moi. Mais les plantes noires, là, c'est ça qu'il faut que j'enlève. Ah oui, c'est ça, c'est vraiment des... Ah d'accord. Excusez-moi, j'avais pas compris que c'était des ordures. Ça, c'est pas des ordures, ça. Mauvaise herbe, 93%. Mais... Si des pois pissenlits, ça, quand même. Ça. J'ai pris la bonne décision. Elles sont où tes mauvaises herbes, Jean-Claude? Bon, alors, c'est pas possible. Mais si, j'ai encore du chardon. Bah ouais, mais bon, en même temps, c'est un peu compliqué de... Ouais, en fait, c'était ça. Ok, d'accord, très bien. Je suis toujours mauvaise herbe, 93%, hein, donc... Je sais pas où elles sont. Là, je les ai enlevées. Ça doit être de l'autre côté, en fait, parce qu'il compte le jardin global, j'imagine. Donc, je dois avoir... Donc, il y a les roses, les fleurs roses et les fleurs bleues. Ce sont des ordures. Genre ça, c'est des ordures, en fait. Mais moi, je les trouvais mignonnes, hein. Ça faisait pas si ordure que ça. Mauvaise herbe, 98%. Donc, ça monte. Donc, j'en ai encore à virer. Ah. Là. Mauvaise herbe, 98%. J'en ai encore à enlever. Là. 99. Et j'ai encore une saleté. Pourquoi j'ai une crasse? Qui me dit que j'ai une crasse là? On va sortir le jet d'eau, hein. Ah bah d'accord. Ah non, aux mauvaises herbes, j'y suis toujours. C'est pas ici, hein. C'est pas là. J'ai un petit bout de pelouse qui était encore là. Enlever les ordures, 99%. Mais qu'est-ce que j'ai pas fait? Il y a une canette qui se cache quelque part. Écoutez, c'est obscur tout ça. Et là, j'ai rien à faire, tant mieux. Je voulais pas planter. Ah si, il faut... Ah, je veux pas planter, j'ai pas envie de planter. Ok, bah, je vais planter deux pruniers, deux pommiers et deux galas. Prunier moyen. Oui, jardinier. Bah écoutez, je ne peux améliorer que ça. Alors, poirier. Moyen, c'était. Ouais. Hop. Et galas. Gala pomme. Achat multiple. Tam 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 tam. Ah, je pensais pas du tout que j'étais comme ça, mais bon, c'est pas grave. Je voyais pas les poiriers là, en fait. Je les voyais là où j'ai mis les pommiers. Mais c'est pas grave, on va planter ça tout de suite.
Planté avec succès, voilà, nous avons de jolis arbres fruitiers. C'est magnifique. On est complètement dans le bonheur pour avoir des petites plantes et des fruits à manger tranquillement. Ici, j'ai rien à faire. Par contre, là-dessous, j'avais un truc. Objet de la table. Placer l'objet. Table basse, Samy. Alors, moi, je vais pas me compliquer la tâche, hein, vous le savez. Je tape directement ça. Table basse, Samy. Ah oui. Eh bien, voilà, jeter comme ça. Hop. Et il faut deux fauteuils à noter. Terre. Anneau terre, ok. Anneau. Terre. C'est quand même très bizarre, hein. C'est des fauteuils. Ah, oh, ils sont pas beaux, hein. Mais le truc, c'est que je sais pas quelle couleur j'ai mis. Ah non, j'ai pas mis cette couleur-là. Comme ça. Peut-être. Fauteuil, écoutez, hein, on fait ce qu'on peut. Ici, c'est fait. Bien sûr, je vais les replacer un peu parce que comme ça, c'est pas très beau. Faut que papy et mamie ils puissent prendre du bon temps dehors. Ouais, je suis dessus, c'est pour ça. Voilà. Est-ce que ça se suit? Non. On va reprendre la table. Table basse, comme ça. Allez. Voilà. Je vais même la mettre là sur le côté. Je trouve ça plus mignon. Ok, ça c'est fait. Ici, je suis toujours à 99,99. 2 cerisiers moyens. Ok, super. J'adore la plantation. Cerisier moyen. Hop, et hop. Comme ça, au moins, c'est fait. Encore? Ah non, c'est bon. J'avais pas vu, à moins qu'il me disait que c'était bon. C'est bon? T'es mouillé? La meuf qui creuse à 10 km du trou. Ouais, c'est pour ça, je me dis. Il veut pas que je creuse très très loin non plus, c'est normal. Hop. Ok, ici c'est fait. Ici, enlever les mauvaises herbes et les ordures, toujours. Bah, je dirais presque ça, c'est moche et que c'est des ordures, hein, mais lui il me dit pas la même chose. Donc, c'est que ça doit être voulu par madame. Hein. Et je suis à 99 à chaque fois. J'ai rien d'autre à faire. Plus la nuit commence à tomber, donc ce serait dommage de louper, pas voir. D'ailleurs, je vais allumer la lampe. Bon, bah écoutez, je pense que le tout a été fait. Un petit bout d'herbe qui avait repoussé. Au niveau des ordures et des plantes, des mauvaises herbes, je ne sais pas. Je ne sais pas où il y en a une. Si vous la voyez, vous me la dites en commentaire. De toute façon, je pense que ce sera fini, que je ne pourrai pas retourner dans cette maison pour enlever la mauvaise herbe que vous auriez vue. Je fais le tour, mais non, hein, j'ai. C'est ça, non? Non, ça, c'est une plante normale. Et je vais toutes les prendre. Non. Non, non, je sais pas. Je ne sais pas ce qu'il me demande et je pense qu'on a fini. On va s'arrêter là pour. Eh bien, cette maison. Oh, c'est sympa, ils ont fait un toit comme ça et tout, ça change. C'est bien. Je vais éteindre ma flashlight parce que j'ai l'impression d'être un cambrioleur et je vais rendre le chantier 92%. J'ai envie de dire oui, hein, parce que pour moi, j'avais terminé tout ce qu'il fallait faire. Et on récupère 4 842 euros. Et me revoilà dans ma petite maison.
Et c'est parfait pour vous souhaiter eh bien, peut-être aussi des belles vacances, puisque vous êtes, on sera en début juillet là. Et peut-être que vous allez partir en vacances. Vous êtes déjà parti. Moi, comme je vous avais dit, je suis déjà partie au mois de juin. Je ne compte pas repartir d'ici là. En tout cas, je vous remercie d'avoir été là. J'espère que cette petite mission et cette petite épisode vous aura plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite des missions Housekeeper Garden Flipper. N'hésitez pas à me mettre un petit com, un petit like, un petit abonnement si ça vous chante. Et puis, regardez les petites pubs sur YouTube parce que ça me soutient gratuitement. Je vous fais des très très gros bisous et donc à très bientôt. Salut!